sommes ici après avoir passé 20 ans en Martinique, et nous sommes ici depuis 4 mois. Et c'est ça, c'est sûr. Nous avons été frappés par deux choses. La qualité et la disponibilité du personnel municipal se traduit tous les jours par la propreté de la ville, la qualité de la communication, madame, et le sourire des anarchistes. Et monsieur le maire, je sais de quoi je parle, parce que j'ai été le directeur de campagne, puis le directeur de cabinet, mais je sais comment fonctionne tout le monde. Aussi, je veux seulement, je n'ai pas de questions à vous poser, vous remercier pour le sourire des anarchistes. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, je regardais le film tout à l'heure, donc je l'avais vu une fois avant la présentation, je l'ai vu à la présentation, et là c'était la troisième fois que je le voyais, et alors vous savez ce que j'ai remarqué, c'est que partout ça souriait. Partout ça souriait. Alors il y a des moments où les choses sont compliquées dans la vie, mais la certification à l'accueil, vous savez, quand on s'y est mis, j'ai été stupéfait. La première chose qu'il fallait qu'on apprenne, c'était de nouveau à dire bonjour, au revoir, merci. C'est tout bête. C'est avoir des locaux propres, une ville propre. Rentrer dans un parking qui ne soit pas un repoussoir. Rentrer dans des toilettes publiques qui ne soient pas un repoussoir. Voilà. Et tout doucement, le fleurissement, les façades. Et vous savez, à l'accueil, on a une jeune femme qui s'appelle Alison. Et c'est le sourire de la mairie. Et quand... Vous savez qu'il y a des gens qui viennent le matin juste pour lui dire bonjour et avoir son sourire. Et puis si vous allez à l'église, si vous allez à la chapelle, autant qu'il y a quelqu'un qui vous sourit. Voilà, c'est ça, c'est bien accueillir les gens, bien leur répondre, mais individuellement, en tant qu'habitant. Et je crois que tout ça contribue au bien-être de la population et de ceux qui y viennent. Voilà.